et ses nombreux partenaires dans son initiative du DevFest Yaoundé, qui s'identifie comme étant une fête des développeurs pour mieux organisée par Google dans le monde, a réuni ce jour, samedi 2 novembre 2024, à Yaoundé International Business School quartier Simbok, nombreux jeunes Camerounais intéressés par les technologies Google, le but étant. Le but, c'est de montrer à tous nos jeunes confrères que le Cameroun n'est pas un pays amorphe en termes de technologie. C'est en fait ça. On veut montrer aux jeunes que oui, il y a des jeunes comme vous qui font de belles choses, qui sont talentueux et que ces technologies qu'on utilise ne sont pas que des technologies qu'on retrouve ailleurs, mais sont des technologies que l'on peut implémenter à notre contexte. Au cœur des échanges ce jour, plusieurs thèmes se dévoilent et se développent. Entre autres, la cybercriminalité, comprendre et atténuer les points de défaillance uniques dans l'architecture Google Cloud, concevoir et construire un système de support client automatique, agent intelligent dans l'e-commerce, gestion des stocks optimisés par l'intelligence artificielle, pour ne citer que cela. Des thèmes très bien développés par des experts et dont l'impact se veut juste. Déjà, l'impact de la présentation vise la sensibilisation, qui est l'une des mesures phares pour la lutte contre la cybercriminalité. Parce que plus le public est sensibilisé, mieux ils peuvent se prémunir d'une éventuelle attaque cybernétique. Surtout pour des développeurs qui touchent aux innovations technologiques, il est très important pour eux de connaître le cadre juridique déjà en vigueur sur le territoire camerounais pour ne pas, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, donc pour ne pas être face à un dilemme que je n'étais pas au courant de ce qui se passe en matière de législation dans mon pays, surtout en termes de cybercriminalité. Un grand moment d'échange et de partage de connaissances entre experts et participants qui, au sorti, fait place au sentiment de satisfaction. Je suis contente en fait, parce que j'ai appris de belles choses que je ne connaissais pas. On a fait la différence entre un REST Django et Django Ninja. Donc Django Ninja est là pour nous faciliter la vie, donc c'est plus rapide que Django REST, selon ce qu'il nous a dit. And today I came to the DevFest to learn more about like the new trends in technology, and since then I wasn't deceived. Because I've met so many new people, like there was a guy that came to present a new framework in Django, and there was also this other guy who presented his project of building a framework called Razingan GS, which by the way, is impressive to see a Cameroonian doing all that. And I also met new people, like I also came here because of networking opportunities, meet new people, build bonds, and expand my network, and yeah, since then I wasn't deceived, and I'm so glad to be here. DevFest Yaoundé par Google Developer Group a donc fait carton plein et promet encore faire plus dans les prochaines éditions afin d'amener la jeunesse camerounaise à s'adapter, à maîtriser, à comprendre le langage, les avancées Google et le monde du numérique. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en replay sur l'application Ecoduma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.